De quoi on parle aujourd'hui ? Eh bien, écoute, aujourd'hui, on parle d'une autre manière d'entrer dans l'entrepreneuriat. En fait, parce que souvent, on pense à la création d'entreprise, on se dit « ouais, je vais monter ma boîte hein. ». Mais il y a une autre voie, en fait, c'est l'achat d'une entreprise. Il y a sept raisons, il y a au moins sept raisons qui font qu'on devrait considérer, y penser et vraiment étudier la chose très, ouais. très sérieusement. Zéro, quoi. D'accord ? Alors, la première, Thierry, c'est le fait que quand on achète un business et qu'il y a déjà de la rentrée d'argent, il y a déjà des clients, il y a déjà des gens qui viennent acheter, etc., etc., eh bien, il y a une rentrée d'argent dès le début. Chose qui n'est pas du tout le cas dans un business qu'on démarre. Oui. Ça, c'est flagrant. Quand on démarre un business, il faut le temps. Ouais. Il faut le temps, d'accord ? Il faut le temps d'être connu, il faut le temps, etc., des fois d'être payé, etc., etc. Donc, c'est le gros avantage, c'est que quand on achète un business, eh bien, on a du cash qui rentre. Ouais. C'est-à-dire qu'on achète aussi c'est un peu comme quand tu achètes un appartement et un locataire. Oui. Eh bien, les revenus du locataire commencent à partir du moment où la date de l'achat. Ouais. La date de l'achat. Donc, si tu veux, c'est comme ça que tu. Et c'est un peu comme ça que je le vois aussi. D'accord ? Merci bien. Beaucoup les amis, merci Thierry. Merci Hamza d'être venu, merci tout le monde aussi d'avoir participé à l'émission et on vous dit à la semaine prochaine sur le même groupe. Au revoir. À bientôt les amis. Ciao. Bye bye.